Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour une petite présentation de map sur FS22 et du coup aujourd'hui on est sur la map European Countryside, donc campagne européenne. La carte a été faite par Zero Watto ou Yoto ou ouais, peu importe comment vous le dites. Bon, enfin en tout cas c'est une map qui est pour tout le monde, alors je vais juste zapper ça pour remettre mon OBS derrière. Et du coup on est parti, mon kiki, il me fait un enregistrement bien entendu. Et donc petite map, tranquillou, alors petite map, il y a quand même pas mal de champs, mais une partie petit champ, plus tu descends dans la map, on va dire c'est des petits à moyens, et là tu arrives dans les moyens à gros, et en dessous tu as un petit peu tout, c'est-à-dire bah, enfin, le centre-ville, la ville, avec les points de vente, quelques usines, pas mal d'usines d'ailleurs, et ensuite bah, les usines sur le côté, tu as la scierie qui est là, et là au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le moulin à grains en plein milieu, et au-dessus, il n'y a plus rien. C'est dommage qu'il n'y ait peut-être pas une petite usine par là. Ça aurait pu être sympa, ça aurait départagé un petit peu, histoire de pas tout mettre au même endroit, mais j'ai envie de dire pourquoi pas, moi ça me dérange pas personnellement. Donc du coup on spawn par là, on a déjà notre voiture qui est ici, et en fait ils nous font spawn au magasin le armement moteur avec une rampe et du coup un deux en décoration tranquillement. Il faut penser au deux qu'on avait en décoration sur FS11, ceux-là. Enfin moi ça me va, j'aime ce. Du coup on va tailler vite fait à la ferme et on reviendra là-dessus après. Donc en fait la ferme elle est pas si grande que ça. Il y a deux serres, une serre pardon, my bad, avec je crois que c'est quoi? C'est des tomates qui sont déjà dedans. Des tomates oui. À part s'il fait les trois peut-être. J'ai mis la tonneau à côté. Les tomates. Ouais, il a mis des tomates. Donc la petite tonne à flotte. Ici, on a l'entrée de la ferme. Du coup, on a la maison sur le côté, comme ça. Un silo à céréales. Le bâtiment qu'on a d'origine. Et du coup, on a un poulailler. Et globalement, c'est tout ce qu'on a. Et re, désolé, petite coupure. Donc, on est reparti, mon kiki. Donc, le bâtiment qu'on a d'origine. Hein. Et on a un classe avec le Valtra, la machine, barre de coupe, godet, etc. Chargeur et tout. Et de ce côté-là, il nous a fait un stockage d'un peu tout. Engrais semences chauds, engrais liquide et désherbant. C'est quoi de ce? C'est de l'engrais liquide. Ah, je savais même pas qu'on pouvait l'avoir comme ça. Bon, attendez. Quoi? On m'aurait menti? Ah oui, je savais même. Ah, c'est de l'additif en silage. Alors pourquoi quand je vais dessus, ça marque engrais? Lol. Oh ok, oh, je savais même pas. C'est vrai qu'il y a de l'additif en silage, je s'en ai jamais servi. Là, il y a la barre de coupe à grains. Et du coup, il nous a mis un stockage de... Voilà, de palettes pour le pulvée. Et je voulais bien voir si on avait un pulvée. Donc voilà, globalement, le matériel qu'on a. Hein. Et du coup, la ferme s'arrête là. Finalement, on est dans un petit trou. On n'a pas énormément de choses. C'est vrai que j'en ai parlé vite fait. Ah, il a refait le colza. Le sorgho, pardon. Il a pas cette gueule-là, normalement, de base. Je crois pas. Et du coup, oui, c'est ce que je disais avec Chris Orlin. J'ai dit, il n'y a pas grand-chose quand même. Puis, en fin de compte, Chris a raison, puisque c'est une petite map. Et du coup, bah, ça donne l'occasion soit de venir là, je vais commencer mon bordel, mais c'est où? C'est où? Je ne sais jamais. Ah, je ne sais jamais. C'est où le mode construction? Là. Construction. Alors, je vais tester un petit truc vite fait. Alors, j'ai pas de mode rien du tout hein, pour m'aider. Donc, d'ailleurs, si on essaie d'adoucir, on peut pas. Ah, nier. Nier. Alors, ça se verra peut-être plus comme ça. Si j'y arrive. Si on peut. On peut. Donc, si vraiment t'as un peu d'aspiration, et encore, je crois qu'on peut pas partout. Ici, tu peux peut-être pas. Non, ici, on peut pas. En fait, il y a ce truc, il y a la barrière qui fait que tu peux pas. Ok. Bah après, rien ne t'empêche de faire une seconde partie de ferme ici, du coup, puisqu'on commence avec le champ 1, 2, 3 et 4. Et quand on aura acheté d'autres, bah, ce que tu fais, tu peux faire une suite de ferme ici en mettant les vaches laitières ou ce que tu voudras, peu importe. Hein. C'est à toi de décider. Donc voilà, globalement, pour la ferme. Pour ce qu'on a. Donc on attaque bien avec tout ça et c'est tout. Après, derrière la ferme, j'ai vu qu'il y avait un carré de bois. Le carré de bois doit commencer, je suppose. Ah bah oui, mais on a tout ça avec. Donc on a un carré de bois tout autour de la ferme. Il y a moyen de faire un peu de bouée si tu veux aussi.
Donc là, ça s'arrête là. Et du coup, bon, bah, on n'y voit rien parce que c'est que des buissons partout. Mais il y a moyen de virer les buissons, je crois. Et derrière, bah, tu peux replanter des arbres ou tu fais ce que tu veux. Hein, peu importe, tu peux même faire. Après, du coup, la réponse de ferme, tu peux peut-être la faire ici. Attendez. Ici. Ça va jusqu'où? Ah, il y a la barrière. Bah, du coup, ici. Mais si, tu dégages tout. Si tu dégages toute cette partie de forêt, il y a peut-être moyen. Là, c'est des cailloux. Bon, allez, on n'y voit rien, bordel de merde. Là, c'est des cailloux. Si, je pense qu'il y a moyen de faire une petite réponse de ferme comme ça. Après, est-ce que tu auras assez de place? J'en sais rien. Peut-être plutôt à toi comment dire, de réorganiser le truc en soit en bougeant tout ça et en réorganisant, je vais y arriver un peu comme tu veux, ou alors soit tu fais la suite de ta ferme au-dessus. Je pense que c'est faisable. Donc du coup, ici, on a un réservoir de flotte. Et de ce côté-là, le biogaz. Ouais, chaufferie biomasse. Et donc du coup, on a. Attendez, j'ai un doute. Chaufferie biomasse. J'ai un doute. C'est où le copeau de bois? Chaufferie biomasse, ok. Ouais, c'est ça. Je confonds toujours le biomasse et le biogaz. Moi, je suis vraiment un sac. Ok. Du coup, là, on a le trigger de récupération, je suppose. Là, le trigger pour poser l'ensilage fermenté. Et ici, on a un silo. Et là-bas, on a la balance. Ok. Finalement, c'est pas si gros. Je m'attends. Alors, en voyant sur la map, je m'attendais à avoir encore un truc énorme. Puis en fait, pas si gros que ça. Donc, ça va. Ok. Ici, on a une station de chaud. Qui est juste là. Et du coup, juste à côté. Donc, là, l'élévateur à grains. Donc, c'est un point de vente. Je vais essayer d'y accéder sans TP. Je voudrais voir où est l'entrée quand même. Il y a des gros silos en tout cas. Alors je suppose qu'il y avait plus court, mais j'ai décidé de faire plus long. Même pas. Il a mis. Alors ça c'est pareil, j'ai vu qu'il a mis quelques moissonneuses un petit peu partout. Histoire de faire de la déco, pourquoi pas. Et donc du coup l'élévateur à grains c'est là. Avec un camion et une benne et du grain pour faire de la déco. Là-bas on a un 2, une remorque. Et ici on a du bordel en travaux. Donc c'est pas au mal. Ici, on a le négociant en bétail, le Haut-Belleron, donc celui-là, on le connaît, hein, bien sûr. On a déjà vu plusieurs fois. À côté, on a le point de vente de bottes. Donc là, il a mis une mélangeuse. Ça reste dans le thème, c'est pas mal, j'aime bien. Et donc, du coup, le point de vente de bottes, donc là, tu le vois, hein, il n'y a pas besoin d'aller regarder. Là, en plus, c'est écrit là. Ok, ici. Donc ça, c'est fait. Ici, on a le moulin à grains. Alors, pareil, encore une moissonneuse. Donc là on a le trigger ici et donc du coup on récupère les palettes là. C'est où qu'on achète? C'est où qu'on achète? C'est pas un point de vente hein? Non, c'est pas un point de vente. Enfin si de base mais. Merde, c'est où qu'on achète l'usine? Mais nique. Elle est à nous? Ou pas? Attendez. Roger, UPSA. Non, on a juste la serre. Bah, je suis à SACU. Ah, ok. Donc là, en fait, j'ai le l'icône, elle est derrière la porte. Et j'ai vu clair et bleu, c'est pour ça que j'en suis aperçu. Et donc, du coup, c'est 96 000 pour acheter ça. Ok, c'est en bordure de flotte. C'est pas mal. J'aime bien. Il y a une roupette qui tourne dans la flotte? Non. Elle m'a l'air d'être là-bas. Je suis même pas sûr. Je sais même pas s'il y a une roue. Non, il n'y a pas de roue. Il n'y a pas de roue. Il n'y a pas des roues. Mais en tout cas, c'est sympa. J'aime bien le petit coin. Ok, ensuite, on a le restaurant ici. Alors, le restaurant, ce qui m'a fait rire, parce que je suis venu voir, donc c'est le restaurant San Giovanni. Le point de vente est là. Et du coup, ce qui m'a fait rire, c'est ça derrière. C'est le tas de poubelles, le tas d'ordures et le tas de bordel qu'il y a devant le restaurant. Ça m'a fait un peu rigoler. Du coup, ils doivent pas avoir beaucoup de clients. À part si l'entrée est là, en fin de compte. Je dirais plus que l'entrée est là, et là-bas, c'est l'arrière. Mais en l'occurrence, admettons, l'entrée est là. L'enseigne, elle est de l'autre côté. Donc c'est du kiff-kiff. Mais bon, après, c'est des détails, c'est des conneries. Hein, je chipote. Et du coup, pour passer Katagazu ici, comment tout fait? Tout passe ici. Ouais, c'est chaud quand même. Hein.
cas, j'aime bien la petite ville. Je trouve ça bien sympa. Ici, on a le fast-food. Le fast-food, donc pareil. Là, c'est un peu plus propre autour. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas vilain. Ensuite, donc du coup, on va essayer d'aller de l'autre côté sans taper. Donc de ce côté-là, on a le bordel pour le raisin. 80 000 boules. Et juste à côté, on a quoi? On a le marché fermier. Donc là, on baigne le raisin ici, hein, et là, le marché fermier, il est juste là. Donc ouais, en fait, il a vraiment groupé dans une ville, histoire de dire que, de toute façon, c'est... Ah, je sais pas si tu vois beaucoup de tracteurs en ville, IRL, mais à part ceux qui font du TP. Mais sinon, je trouve l'idée plutôt sympa, ça change de d'habitude, tu me diras. Après, on est plus habitué à avoir des trucs un peu dispatchés, et quand, justement, on voit un paquet... En règle générale, c'est les usines ou les points de vente qui sont posés l'un à côté de l'autre. Il y a un peu de déco autour, mais ça fait pas cet aspect ville comme il y a sur celle-ci. Donc moi, je trouve pas ça très dérangeant. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors de l'autre côté, justement, on a le magasin. Donc celui-là, on vient de le voir. Hein, je vais pas tout refaire le tour. Alors on peut ouvrir, on peut ouvrir. Ah, d'accord. Donc l'atelier est dedans. Du coup, t'as côté bureau. Qui est bien sympa d'ailleurs, je trouve. Et derrière, t'as l'atelier. Ça se voit de temps en temps chez certains, des groupes qui sont pas hyper connus, tu vois, des petits ateliers et tout, où ils ont justement leur bureau dans l'atelier. Ou alors des. Ça peut être des groupes connus aussi, mais comment dire. Par exemple, Costa Green, ou ceux qui font Casillas, leur grosse boutique est la Père Fontaine-lès-Varan, dans le Doubs. Et nous, ça nous arrive d'aller à une petite à Sechin, et en fait, le bureau est dans l'atelier. Donc c'est un plus petit point, mais je sais pas comment on appelle ça. Je vais pas dire un intermédiaire parce que c'est la même boîte, mais enfin, vous aurez compris ce que je veux dire par là, quoi. Ensuite, du coup, la station-service, donc ça on l'a vu, pizzeria et Pepe Pizza. Donc c'est ici. C'est quoi? C'est bien un point de vente. Hein. C'est un point de vente. Donc on vend ici, on vend certainement du pain. Alors je vais regarder quand même. I am curieux. Les œufs peut-être. Pizzeria, les œufs. Le lait, pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut vendre ici? Moi je connais rien. Des patates? Mes couilles? Bah si, normalement on devrait pouvoir, mais bon. Du blé, je pense pas, mais il faut de la farine, je suppose. Où c'est qu'elle est? Pizzeria farine. Pas de pain. Ouais, ça aurait pu, hein. Gâteau. Mettre des gâteaux à la pizzeria. Du frometon aussi. Bon, du tissu vêtement, t'oublies. Du sucre, normalement, t'oublies. Ah non, tu peux amener du sucre. Oui, pour les gâteaux, tu me diras, oui. De l'huile, probablement, ouais. Des raisins secs, je pense pas. Jus de raisin, tu peux en amener aussi, bon pourquoi pas. Il a essayé de rester un minimum cohérent dans ses trucs, donc c'est pas mal. Ensuite, ici, nous avons le supermarket. Donc t'arrives ici. Il y a pas mal de déco. J'aime bien, il a fait pas mal de déco autour. Alors, disons que le fait de mettre les points de vente un petit peu groupir, je pense que ça doit faciliter un peu en termes de déco parce que t'as déjà l'ambiance de la ville, les gens. Plus les bâtiments qu'il a placés aux alentours. Et après, par-dessus, il a remis des. Il a remis un peu de caddie, d'autres choses au supermarché. Donc ça va, c'est pas mal, j'aime bien. La laiterie fromage de lune. Alors, je crois qu'il y en a deux en plus de laiterie. Donc, on a celle-ci, celle-là, on la connaît, hein, je vais pas vous refaire le tour. De ce côté-là, j'en ai vu une deuxième, produits laitiers. En fait, elles y sont les deux. Donc, atelier de tailleur, je crois que c'est celui de base aussi, hein. Ça coûte combien? 100 000 balles. Allez, cher, ramasse ça dans ta gueule. Et là, c'est la deuxième laiterie où justement on a le trigger pour récupérer. Enfin, le trigger. Oui, si, le trigger pour récupérer les palettes. Ici, on pose le baudéau et là-devant, on achète. Avec le camion anglais devant. Pas mal. Il y a un truc qui me manque par rapport au camion anglais. C'était sur FS11, je crois, où il passait dans la ferme. Je trouvais ça vraiment sympa et je trouve ça dommage qu'ils aient pas réitéré le truc. À la suite, bah bon, écoutez, hein, c'est pas moi qui décide. Et puis voilà, ici on a le filatour. Alors combien qu'il coûte? 60 000 balles. Ok. Donc on pose ici, on récupère ici.
Derrière, on ira voir après. Ah, c'est chiant, ces enregistrements, c'est terrible. Donc, on va aller sur la grotte. Donc, ici, qu'est-ce donc? Le charpentier. Là, c'est 60 000 boules. Donc, c'est des trucs, des planches avec le bois. On pose là. Et il y a le trigger du bois là. Enfin, l'icône du bois là pour vendre. Enfin, pour faire que ça arrive dans l'usine. Et ici, on récupère les palettes. Enfin, l'immobilier. Le mobilier, je vais y arriver. Et du coup, ici. Vie ma vie, je ne sais plus. Moulin à huile. Ok, donc pareil. Trigger pour poser, trigger pour récupérer. Un tracteur et une benne en déco. Toujours du dot. J'aime bien. Et du coup, l'achat, c'est ici. Et c'est 80 000 boules cette fois-ci. Ok. Ensuite, sur la gauche. Sur l'autre gauche. J'ai bien dit gauche. On a le jardin des fermiers. Ah, celui-là, on le connaît aussi. Hein. Le trigger de vente. De l'autre côté, on a une station de chaux. Et de ce côté-là. Donc ça fait partie de ça. Et de ce côté-là, on a l'usine à céréales. Donc là, par contre, cette fois-ci, c'est pour le coup, je félicitais un peu de la déco partout. Et là, en fin de compte, il y a 3, 4 points de vente. Enfin, 4 usines points de vente de poser l'un à côté de l'autre. Et là, pour le coup, il n'y a pas trop de déco de ce côté-là. Dommage. Et du coup, ici, on achète ça, c'est 110 000 balles. L'usine à céréales. Donc ça commence à chiffrer un petit peu. Et donc de l'autre côté, ici, on a la boulangerie. La boulangerie qui me dit quelque chose aussi. On est sur la plaine française. Et donc du coup, normalement, le trigger est ici. Ah, tu poses là. Oula, ça va pas être pratique ce bordel à cul. Si tu poses là et tu récupères ici. Ah, pour tourner, je pense qu'il vaut mieux avoir un fenouil. Dans le mieux, je pense que. Voilà. Mieux avoir un fenouil. Et donc du coup là-bas derrière, vous avez je ne sais quoi. Qu'est-ce que c'est que ces âneries? Ah ben le broyeur de débris. Ah oui, je l'ai vu tout à l'heure en plus. Alors broyeur de débris, en fait, il a posé le broyeur de débris qu'on a de base. Donc là tu vides par le dessus. Au lieu de vider par le devant, je suppose que c'est faisable depuis là, mais bon, tant qu'à faire, tu vides par le dessus. Et j'aime bien cette déco autour. Tu vois, il n'y a pas énormément de trucs, mais en fin de compte. T'as des tas de gravats, de cailloux, de bordel. Une chargeuse. Ah si, t'as moyen de poser là aussi. Une chargeuse. Et rien que ça, tu vois, moi je trouve ça joli. Et pourtant, c'est fait avec le truc de base là. Un tas de gravats, je sais pas si c'est très compliqué à trouver, mais je ne pense pas. Et derrière la chargeuse, je sais pas où il l'a eu non plus, mais. Enfin, tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un truc. On va pas dire hyper compliqué à faire parce que moi je sais pas comment on le fait, mais enfin vous comprenez ce que je veux dire par là. Mais je trouve ça vraiment sympa son histoire de broyeur de débris, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Du coup, normalement, on a quasiment fait le tour, il nous reste la scierie. La scierie, donc là on arrive derrière. Alors la scierie, on la connaît aussi, hein, je vous fais pas le topo. Je me rappelle plus combien qu'on l'achète d'ailleurs. 100 000, non, une connerie pareille. 100 000 boules, voilà. Et donc du coup. Entouré d'arbres. Ces arbres-là, on n'a pas testé hein, sur serveur les pins. Hein, donc, je sais pas si ça fait laguer ou pas. Faudrait-il que le serveur fonctionne d'ailleurs, parce que vous savez qu'ils nous ont fait une mise à jour là. Et depuis la mise à jour, bien sûr, les serveurs replantent. Et le nôtre refuse de redémarrer. Donc, c'est très pratique. J'adore. Vie ma vie. Par contre, on a un chemin ici. Attendez. Je suis rebou. Oh, mais il y a de la déco ici. J'aime bien cette histoire aussi. T'as comment on accède ici? Ah, par là, voilà. Le chemin qui arrive bleu. Ok, et donc du coup, ça nous ramène au bord du bouet. Et après, bah, tu fais comme tu veux, hein, tu passes sur le pont, tu passes pas sur le pont. Et donc en fait, là, ça nous amène où? Ah, c'est un tunnel, ok. Ok. Oh, c'est sympa, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ok. Du coup, on va aller se faire un petit tour vite fait avec la voiture. Histoire de voir, hein. Pas déconner. Voiture qui est déjà bien dégueulasse. C'est un peu dans mon style à moi, ça. Karcher, on sait pas ce que c'est. D'ailleurs, avant ce projet, oui, je me dirais directement la dernière vitesse. Hein. Pas déconner non plus. Ok, donc la partie ville, effectivement, il y a un peu. Disons que c'est un peu plus large. T'as plus de facilité de bouger ton huc.
Et donc du coup effectivement tu quittes la ville et tu arrives dans les petits chemins. D'ailleurs tu arrives tellement dans les petits chemins que tu arrives ici. Ok. Il y a un pont. Pas du tout. Si, il y a un pont. Ah! Celle-là je l'ai vue. J'étais en train de me poser la question, est-ce qu'on peut passer ou pas? Mais on peut. Serre-toi, madame, je passe. Oh! Oh! Oh, je savais pas ça. Je sais pas. Et donc du coup bah, là on arrive plus dans la partie champ, campagne et autres. Alors il y a, c'est pas très pentu, mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Donc ici on arrive au bout. Là on a un champ. Là il a fait de la déco aussi. Ok. C'est pas très pentu, mais moi je trouve ça vraiment sympa. Je trouve pas vilaine la map. On poursuit de ce côté ileux. Et donc, du coup pareil, bon bah là on arrive au champ. Je vais faire un petit tout droit. Histoire de regagner un petit chemin. Histoire de voir un petit peu la suite. Mais oula. Mais ouais, il a bien. Moi je trouve que c'est bien fait. Après, à peine plat, à mon goût. Même si à 2-3 endroits ça a l'air de. Voilà, un tout petit peu comme ça, une petite bosse par-ci, une petite bosse par-là. Mais globalement, assez plat, je trouve. Mais c'est pas non plus si dérangeant que ça. Et donc, du coup, là, on a le chemin qui mène à la ferme, bien sûr. Et alors, les prix des plus gros de champs, 138 000. Ah, oh, c'est pas si cher que ça. 107 000. 108 000. Ouais, c'est. Après, je suis en facile. Donc c'est vrai qu'il faut pas que j'oublie ça. Je suis en facile. Donc est-ce que ça change en moyen et difficile? J'en sais même rien d'ailleurs. Voilà, celle-là, 1 million. Pas déconner avec la Syrie. Là, t'en as pour un moment à tout abattre tout ça. Là, il a même fait un petit carré de bois et d'herbe au milieu de la parcelle. Par contre, là, il y a un truc. Là, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Viens voir si je vais ouvrir. Avant qu'on coupe. Avant qu'on coupe, avant qu'on coupe. Non, mais personnellement, j'aime bien la map. Comme j'ai dit, à peine plat. L'histoire de d'avoir beaucoup de points de vente et d'usines au même endroit. Là, en l'occurrence, en temps normal, j'aurais dit c'est dommage d'avoir ton pilier au même endroit. Mais là, en l'occurrence, je trouve ça pas si dérangeant que ça. C'est pas au moule. Et sinon, ouais, convient à 1, 2. Je pense que même jusqu'à 4 personnes, tu peux tourner dessus. Il y a moyen. Ok, donc c'est juste de la déco. Non, mais des fois qu'on est un bâtiment achetable par-ci par-là, il a fait pas mal de petites déco. On retrouve souvent les dots. Par contre, qu'est-ce que c'est ça? C'est une machine de cassette, ça. On dirait. On dirait. Et du coup, là, ok. Avec les poteaux là, au milieu, ah, j'aime ça quand ça casse les pieds à tout le monde. J'adore. Ah, c'était ça l'histoire du truc. C'était pas de la forêt. C'était le poteau avec des buissons. Ok. Non mais globalement la map est assez sympa. Le tour de la map, ça va, moi j'aime bien. Personnellement, c'est un peu flou sur le dessus, mais bon. Pas besoin que ce soit si clair que ça. Après il y a la distance de vue qu'il peut peut-être faire aussi. Mais voilà. Donc globalement elle est pas mal. J'aime bien. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les e-com. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une présentation de map. Et j'espère que ça reviendra un peu plus souvent, mais ça dépend justement des maps qui me plaisent ou pas. En tout cas, on se retrouve ce soir pour le live Far Cry. Donc ce sera soit avec Chris, soit avec Papy, ou soit on commencera avec Chris et si on voit qu'il peut plus souffler, ben on fera venir Papinowski del Pococcini. Et puis voilà. Moi je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée si vous êtes à la vie dans la soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.